La culture est surtout un moyen actif de contraste au terrorisme. C'est précisément pour cette raison que je ne suis jamais fatigué dans mon pays de répéter que pour chaque euro additionnel dans la sécurité, nous devons investir un euro dans la culture. L'opinion publique italienne, l'opinion publique européenne, après les attentats de Paris, ont pensé, ah, nous devons faire beaucoup d'investissements sur la cybersécurité, sur la présence des forces de police. Chose très importante, très, très vraie. Mais en même temps, nous devons donner la nécessaire attention à phénomène culturel. S'il y a des jeunes qui décident de tuer soi-même et les autres, nous devons donner eux la possibilité d'une alternative culturelle idéale des valeurs. Donc, c'est une politique de sécurité donner l'argent à la culture. C'est une politique de sécurité donner l'argent à l'éducation. C'est une politique de sécurité donner centralité à la question des jeunes.